Et oui, Gordon, 2A pour Games 2A TV. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le départ. Nous sommes à Cannes. Hein, vous le connaissez, ce mur? Vous l'avez déjà vu? Le fond vert, ce qu'on appelle le fond vert. Hein, ça y est, je l'ai vu, je l'ai même touché, regardez. Et oui, vous l'aurez deviné, nous sommes chez Redfield. Hein, on voit ici son setup. Pour les, ses lives, ses vidéos. Mais, oh! Oui, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, j'étais venu chercher des croissants. Des croissants, ah, il faut que je fasse des croissants. Oui, ouais, bien. Voilà, tu vois? Voilà. Hein. Voilà. Bon, je me sers, hein. Je me sers pendant qu'il regarde pas. Voilà, et donc nous allons partir. Ah, j'ai gagné deux jeux. Nous allons partir dans 5 minutes. Pour Paris d'abord, et ensuite la Belgique, mais on se retrouve de suite après le générique par exemple. Allez, générique. Voilà, donc arrivé en Belgique, hein, pour la Pixel Days, hein, et nous sommes avec Redfield. Bonjour Redfield. Bonjour Charlie. Merci pour ce road trip, hein. Ça fait deux jours qu'on fait de la route, j'en ai un peu plus. Et voilà, et nous dirigeons directement à Esoprel, hein, on va directement au Sambre Expo. Arrête tout de suite maintenant. Et on va voir ce qui s'y passe. Et voilà, nous arrivons devant le Sambre Expo. Et il y a déjà la queue, évidemment. Hein, il aurait fallu se réveiller à minuit pour être le premier. Bien vu. Ouais, il y a quand même des privilégiés. Hein, Brook Studio. Bah, re alors. Ça va. Ça va. C'était le réveil. Ça va. Ça va? Voilà, là on est sur le stand des youtubeurs. Il y a plein de youtubeurs. Alors il y a des vrais youtubeurs, des vrais youtubeurs comme Gros Nénès, et vous avez des faux youtubeurs. Moi je suis une copine. Ben oui, c'est le faux Redfield. Le faux Redfield, regardez, il essaie de se faire passer pour lui. Escro. Fais-nous un unboxing pour voir. Ah, t'as rien. Je le savais. Je le savais. Sécurité. Il est trop fort, il est trop fort. Non, j'ai dit. T'en as encore de la place sur tes étagères? Non. Ah, voilà. Faut arrêter les conneries. La Corse en force. Merci, madame, monsieur Gunned. Le bouquin là. Regardez-moi ce ratisseur, le ratisseur de bon matin. Non, arrête un peu. Franchement, je l'ai mis vide. Vite tes poches. Pour te faire les téléphones.
Onzio, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous. Hein, absolument, absolument. Et Indie Jeux aussi, il faut s'abonner. Mais oui. Par contre, Redfield, vous abonnez pas. Oh, non. Que de la merde, puis ça... C'est un con. Oh, et puis des jeux de cul. Des jeux de cul. Oh. Eh Boyard, viens par là. Alors, on visite de bon matin. Eh oui, après ça va être le bordel, là c'est l'heure, ça ouvre, ça va être la pollue après derrière. Ça va, ça, ça va. Des trucs ouais, j'ai repéré quelques trucs, on verra. On s'est pas dit qu'on a fait. Ouais, peut-être, on verra. Mais je suis pas fou, tu vois, j'ai pas pris mon sac à dos. Aujourd'hui, il faut juste que ça remplisse ça, pas plus. Tu as trouvé des trucs quand même. Quelques petits jeux SNES. Bon, on verra ça dans ton compte rendu. C'est ça. Hein, à tout à l'heure, mon ciao, ciao. Et nous sommes avec eux. Tu as voulu me niquer. Ça va? Bien. Alors, tu t'éclates? Ouais. C'est réveillé qu'hier. Ah. Tu as trouvé ce qu'il fallait? Ouais, la vitamine. Bien. Et abonnez-vous, quelle page. Hein, ouais. Et regardez, vous le connaissez, Bad Cub. Il vient des fois sur nos vidéos, ouais. Hein, sur nos petits lives. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vends? Bah ouais, je vends cette année. Écoute, j'ai décidé de me mettre de l'autre côté des tables. D'accord. J'avais pas trop de sous pour acheter, donc je me suis dit, tu sais, je vais vendre. Et t'as tellement pas de sous que t'as pas eu assez pour payer l'électricité. C'est la misère. Oh, il fait noir, on voit rien. C'est dingue. A bientôt, je te souhaite en tout cas un bon bénéfice. Merci. Et à bientôt sur un live. Hein. Ouais, à bientôt les gars, ciao. Nous sommes avec Max Chemouet. Max Chemouet, il y a pas 90 ans. Là, je viens d'arriver, il y a quoi, 10 minutes à tout péter là. Ah bon, alors je t'emmerde là. Non, pas du tout. Oui, mais si, tu peux lire. Ok, d'accord, c'est pas faux. Donc, t'as encore rien trouvé? Si. Déjà? Oh, mais quel ratisseur! Quel petit jeunesse et une petite peluche, certainement c'est Diabolo. Donc, à voir sur ta chaîne prochainement. Peut-être. Plus sur Instagram, allez, limite. Instagram, oui, tu es plus sur Instagram. Ouais, parce que la flemme s'en part beaucoup de moi sur YouTube et sur YouTube. Mais Instagram, ouais, je fais une petite photo. Bon, en tout cas, je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Charlie. Ratisse-moi tout ça. T'inquiète pas, c'est que j'ai mis ça, t'inquiète pas. Alors, c'était quoi ce jeu? Comment ça s'appelle? Alors, le jeu s'appelle le Shooting Watch. Shooting Watch, alors j'ai fait 81, bon, j'avais fait 82, mais je me suis dit, on va faire mieux, puis du coup, j'ai fait pire. Mais l'essentiel, c'était surtout de battre. Ryu. Francisco. Je voulais absolument battre Francisco et j'ai réussi à battre Francisco. Bonjour. Il est là, pardon. Oh, quel hasard. Bonjour, ça va? Alors, combien tu as fait toi? 74. Pourquoi? C'est énorme par rapport à toi, combien t'as fait? Oh, j'ai fait 81, mec. Bon, 81. Pour ça, ne te fais pas. Si, je vais m'en vanter. Rappelle-moi quand même. T'as vu qui c'est qui a fait le meilleur score? Non, il est où? Là, tu l'as là? Ouais, je suis sûr que c'est vrai. Et c'est lui en fait qui a le record. Monsieur Destroy. Bonjour. C'est tout ce que vous avez comme livre? Vous n'avez pas honte? Si. Franchement, mais alors vraiment pour le coup, c'est la Dèche. C'est la Dèche, c'est la Dèche. On appelle Dèche-Man. Parce que tout est parti, mais c'est hallucinant, il ne me reste plus rien. C'est Geeks Line, c'est ça. Hein, c'est Geeks Line. Geeks Line, mais vous allez en refaire. Hein, Il y a du stock, mais il y a du stock sur ce salon. C'est il va pas falloir grave. Acheter d'autres voitures, plus grosses, pour pouvoir fournir la demande sur ce beau salon. Et on espère toujours vous voir un jour en Corse, monsieur Destroy. Il faudra, mais c'est compliqué, la Corse, il faut prendre l'avion, c'est loin. On trouvera un arrangement. Mais je sais que c'est magnifique, je n'y ai jamais été. Jamais allé. Eh ben, on fera la première sur un de nos festivals, Monsieur Destroy, prochainement. Avec grand plaisir. Et avec un peu de vin rouge aussi. Je vous remercie. Et du saucisson corse. Surtout. C'est important. C'est ça qui compte. Indispensable. Merci. Exactement.
Alors nous sommes sur le stand Rogue Studio. Hein, vous l'aviez vu l'année dernière, comment tu vas? Ouais, on essaie d'être là chaque année. Ça va. Il n'est pas tout seul, hein, ils sont deux, c'est les meilleurs. Alors vous faites quoi dans la team? Quel est votre rôle? Moi du coup je m'occupe de tout ce qui est relations avec les développeurs, avec les clients, les médias, tout ce qui est community manager. Ouais, les trucs chiants quoi. C'est pour ça que je l'ai embauché. Mais lui aussi il fait des trucs chiants. Ah, et toi tu fais quoi? Tu développes, c'est ça? Et j'ai plus le temps de développer malheureusement. Oh merde. Et non, tu vois, je suis très occupé à assembler les jeux, à les expédier. Oh putain. À gérer le stock, ce genre de trucs. Passionnant. Mais on teste des jeux de temps en temps. Ah, il y a quand même une contrepartie intéressante. Et c'est quoi la nouveauté que vous proposez cette année? Les jeux Game Boy, dont celui-là qui vient de sortir. Pelusa Saga sur NES. Vraiment, je suis bien fan. Et en démo, on a Estik, qui est un nouveau cheval. Pelusa. Et le cheval, c'est Estik. Il est en démo. Hey, dis-moi toi, c'est quoi ce pantalon dégueulasse là? Il est top. Tu veux rire ou quoi? Non mais c'est quoi ce foutage de gueule? J'étais là avant toi. Ça va? Ça va bien. Ouais. Qu'est-ce que tu nous présentes sur le salon? Je présente TCL, la suite de TCK qui est finie à 100%. 100% ça y est, on y est. On peut l'essayer alors. On peut tout faire. On peut faire du début à la fin jusqu'au générique de fin. On va voir si c'est vrai. Je pense pas que je vais arriver jusqu'au bout. Ah, il est un peu il long. Il est dur. Il est long, il est surtout long. Bon. La partie Metroid. Ça se passe bien le salon? Ouais, ça va. Voilà. T'as trouvé des pantalons, des trucs, c'est bon. Max, c'est lui. Viens par là. Je suis tu là. Tu m'as pas fait ton bilan de ce salon. On fait le bilan. Allez. Eh ben, il se trouve que nous sommes maintenant en 2024, dans l'an de grâce où on fait des Pixel Dice pour la troisième année de suite, où il se passe des choses, où on reste dans le cadre. Où on a dépensé 6 mois de salaire en Pologne pour acheter des merdes de notre enfance parce qu'on avait des problèmes psychologiques. Bref, on reste dans le ton, on partage tous le même problème de la collection, mais c'est la passion. On est à fond dedans, on kiffe, et il y a des vrais gens, des gens pour super sympas comme monsieur Charlie lui-même. Donc ça fait très plaisir d'être là, c'était une bête de Pixel Day encore une fois. On a joué à plein de jeux, on a parlé de plein de trucs, on a fait des trucs complètement indécents. Incroyable. On ne peut pas tout raconter. Non, on ne peut pas. C'est magique en Belgique, mais ça reste... Ce qui se passe en Belgique... Scrète de chez Scrète. Ouais. Reste à Namur. Absolument. C'est la porte de Namur qui vous a présenté les Pixel Days, forcément à Ezefeld, à côté de Carly Roy. Carly Roy, le New York 1997 de la Belgique. Oui. Allez-y si vous osez. Tout à fait, merci. Et on embrasse tous les Namuriens. Tous les Namuriens, tous les Liégeois, tous les gaufriers, toutes les friteries. Toutes les friteries. Le roi, la loi, la mayonnaise représente un truc comme ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit merci. Parce qu'il y a un Z. Parce qu'il y avait des merdouilles sur le barbecue, un truc comme ça. Les certainement. Voilà. Il n'a plus que 80% du temps. Nous sommes bien en Belgique. Allez. J'ai le cerf volant, mais au moins il peut flotter grâce au vent. C'est comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne Futuramax. Oui, Futuramax, la chaîne de Monsieur Fort, la chaîne avec le moins d'abonnés de YouTube. C'est un défi. Allez. Monsieur Francisco, qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture pour cet été? Oh, c'est vraiment super dessin dans les jeux vidéo, c'est vraiment... Attention, je ne peux pas dire des photos, ça risque de striker la vidéo. Donc je n'oserais pas vous montrer. Gunnet TV, voilà. Une modique somme de 15 euros, vous pouvez avoir le courage. Oui, tout à fait. Et dédicacé en plus, vous pouvez le faire. Avec le sel of quality babes. Boobs. Mais vous voyez, on est très bien ici. On a la glacière, on a de la bière. Génial. Ah non, on est bien. On est bien traité. Non, mais je sais. On se croirait à la plage. Par contre, j'ai envie de faire une sieste bientôt. N'hésite pas. Ça va être une bonne lecture. Ah, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt, les amis. Ça se passe comme ça sur le stand de Wano Collector. Wano Collector, nous sommes avec Jeff.
Ça va? Eh bah, ben ça va, merci beaucoup. Oui, ça s'est très bien passé, c'est une sacrée journée. Hein. Génial le stand. Génial le stand. Le plus beau stand de. Ouais, n'est-ce pas, Francisco? Il faut que tu scannes le QR code. Voilà, scanne-lui. Je compte sur toi. Et je vais scanner tout de suite. Voilà, regardez, cet homme est en train de scanner pour. C'est pour télécharger l'appli? C'est pour télécharger. Non, c'est pas pour télécharger l'appli, c'est pour télécharger. C'est pour qu'il ait accès aux goodies parce qu'il fait partie de la liste des personnes à suivre. Oh. Comme votre serviteur. Quoi? Exactement, moi exactement. Aussi. Il fait partie de la liste des personnes à suivre. Donc des personnes un petit peu qui façonnent le monde du rétro gaming et de la collection. Et l'art de chiner, voilà, des belles pièces dans les brocantes et, oh, et divers vide-greniers. Merci, quel honneur de faire partie de cette liste très fermée. Mais j'imagine, ça fait plaisir. Il y a actuellement 174 ou 176 noms. Oh là là. Il me reste encore beaucoup à ajouter parce qu'il y a du people. Eh bah, manifestez-vous, hein, si vous aussi vous faites des vide-greniers, des festivals à la recherche de jeu, vous chinez, voilà, utilisez l'application Wano Collector. Ah oui, Wano Collector, surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est une application absolument géniale. Hein, gratuite. 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 Commence par ça. Je crois que c'est le mot intéressant. Voilà. Elle est gratuite et surtout, vous pouvez tout faire avec. Très bien. Merci en tout cas pour l'accueil. Je t'en prie, merci. C'était super. Je vais me refaire une petite sieste. Oui, bah, je t'en prie, vas-y, n'hésite pas. Bah, s'il y a de la place, parce que je vois, lui, il ne faut rien. Là. Bah, il a mangé toute la journée. Bonjour David. Comment ceci, on vous expliquera pour ceux qui ont une interruption de service. Ah. C'est ça. Ah. Et du coup, il a bossé. Il a réparé un serveur d'ici, c'est pas ça. Ah, du coup, il a réparé le serveur tout au téléphone avec le clavier. Oh, machin, il a tout mais codé. C'est un génie, cet homme était. On dirait pas comme ça, hein. Ah ouais, mais non, c'est pas. Ouais, si je te vois pas. Coupe cette vidéo. Non, rien ne sera coupé. Non. Il a envoyé du lourd. Non, franchement, il a bossé de fou, quoi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bonne continuation. Merci à toi, bienvenue, et puis à très bientôt. Ouais, de suite après ma sieste. Bien voilà, nous arrivons à la fin de ce festival. Voilà, c'était super. On a pu voir plein de monde, faire quelques petites emplettes. Bon, même si j'ai été un petit peu, pas timide, mais je me suis un petit peu retenu quand même. Le but n'était pas de dépenser une fortune non plus. Vous pouvez vous asseoir, hein, si vous avez. Un gros bisou à Wano, une bonne continuation, hein, pour leur application. Un big up pour toute la team Harpies, hein, qui organise ce festival tous les ans. Apparemment, c'est la 10e l'année prochaine. Bon, j'espère être présent, hein, parmi les invités, peut-être, on verra. Et je vous ferai un bilan de tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai pu trouver et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer lors de ce festival fantastique. Voilà. Un grand merci aussi à Stéphane, hein, RGB, hein, qui a été très présent et d'un grand secours, hein, puisque ça a été mon taxi pendant toute la durée du festival, et même plus, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très très vite. Ciao, ciao.